Comment tu cotises 1500 euros par semaine? Organisé par Lili l'amour et dans le chocolat. Allez, un tos. 1500 euros par semaine tu cotises. Ma, tu prends où? C'est pour ça que même quand quelqu'un te parle au téléphone, tu ne comprends pas, tu sais qu'il peut être dangereux. Mais parce que tu as la pression de la tontine, tu es obligé de dire tchazoulé. Et les criquets tchazoulé. Et les crapauds tchazoulé. Et les asticots tchazoulé. Nous, on ne marche pas. Parce que tu vas arriver à la tontine. On dit que Vicky cotise 15 500. Elle a deux noms. C'est aussi comme ça que tu vas entendre dire que oh, j'ai construit l'immeuble au Cameroun. Ma, allez construire vos immeubles au Cameroun. 1500 euros, tu cotises par semaine. L'histoire, si vient me rappeler le décès de Annette. Je faisais la tontine avec Annette. Feu Annette, que son cadavre avait été jeté par la fenêtre par un client. Elle était au téléphone avec elle. Elle lui dit que mais le client là, il est même bizarre. Mais la pression de l'argent, plus que les deux jours ou le lendemain, il y avait la tontine du lundi. Bizarrement, les tontines là sont pour le lundi. Parce que la tontine qu'on faisait avec les Clarisse Simi, c'était le lundi. Donc je crois que si j'ai bonne mémoire, Annette est décédée un dimanche qui précédait le lundi où il devait avoir la tontine. La pression de l'argent, oh, la pression de l'argent de la tontine. Le montant même, donc pour lequel on dit qu'elle est morte dérisoire, je n'ai même pas envie de mentionner ce montant. Le montant pour lequel on dit que Annette est morte, c'est un montant dérisoire. Donc, à cause de la pression de la tontine du lundi, parce que je pense que les filles qui font cette activité-là savent qu'elles sont exposées à beaucoup de choses. Normalement, il doit y avoir un tri dans les personnes à qui vous ouvrez vos portes. Normalement, je pense que quand tu échanges avec quelqu'un au téléphone, tu peux réussir à savoir si la personne est correcte ou pas. Mais quand tu as la pression de l'argent, tu n'as plus le temps de faire cet examen. Tu n'as pas le temps d'examiner l'état d'esprit ou même la façon de parler de la personne. Pourquoi? Parce que tu as une pression de tontine que tu vas commencer à cotiser. Que tu vas cotiser demain. Notre jeune sœur, qui est décédée malheureusement aujourd'hui, hier, à Aubervilliers, dans un Airbnb apparemment, qu'elle avait pris pour faire la vente du Dongo, était dans le même appartement avec sa copine. Les nouvelles nous viennent que elle était dans le même appartement qu'elle a pris avec sa copine pour faire le Dongo, un appartement de deux chambres. Il y a beaucoup de filles qui sont dans les appartements, en train de faire ça. Elles pensent qu'elles sont dans l'abri. Et elles sortent sur Facebook, elles viennent nous insulter, les nous-ci, qui sont en train de brûler nous-mêmes. Ma soeur, regarde, tu n'es pas à l'abri. Tant que tu ouvres ta porte aux inconnus, tu peux ouvrir ta porte, ça que tu peux ouvrir ta porte à quelqu'un qui vient de consommer la poudre, which is out of your mind. Il est out of your mind. Parce qu'il faut savoir, tous les toxicos là, quand ils ont déjà pris la poudre, quand ils ont déjà pris, la première chose qu'il a dit à la tête, c'est chercher la prochaine qui est disponible pour aller réaliser les fantasmes que le foufou est en train de lui demander de faire. C'est-à-dire, il faut que vous le sachiez. C'est-à-dire, regarde même dans les quartiers dans lesquels ils vont le faire. Aubervilliers, c'est un quartier très sensible. Comment imaginez-vous qu'elle était dans l'appartement avec sa copine? Elles étaient dans l'appartement avec sa copine. Elle a reçu le clé. La copine était aussi dans sa chambre, elle, parce qu'apparemment, c'était un appartement qui avait deux chambres. Donc, sa copine était dans l'autre chambre. Elle était avec... Elle a pris son clé. Elle est partie dans une autre. Donc, elle était donc avec sa copine dans le même appartement qu'elles ont pris. Apparemment, le propriétaire de l'appartement, c'est un Chinois. Apparemment, c'est un Chinois. Elles auraient pris l'appartement sur Airbnb. Donc, quand elles étaient donc deux, le client, celle a pris son client. Elle est rentrée dans sa cam avec le client. Sa copine est restée. Au bout d'un moment, sa copine estime que la prestation a trop duré. Elle estime que la prestation a trop duré. Elle commence à appeler la fille. Becky, elle s'appelait. Elle commence à appeler Becky pour savoir que, pour savoir si. Parce que pour elle, d'après leur temps de prestation. Donc, quand elle voit, elle estime que la prestation a trop duré, elle décide donc d'appeler sa copine au téléphone. Elle appelle, la fille ne répond pas. Donc, quand le client a trop mis du temps, elle prend donc le téléphone, elle appelle Becky. Becky, c'est celle qui est morte. Becky ou c'est Becky, un truc comme ça. Elle prend donc le téléphone, elle appelle Becky et Becky ne répond pas. Becky ne répond pas le téléphone. Becky ne répond pas au téléphone. Elle va donc taper dans la chambre. Mes soeurs, elle tombe sur l'horreur. Elle trouve Becky dans le lit nu. Elle voit seulement les mains. Elle voit les traces de mains sur le cou de Becky. La personne a disparu. Elle voit les traces de mains sur le cou de Becky. La personne est partie depuis. Il a fini avec elle. Il est parti. Et tout ça pourquoi? Parce qu'elles sont dans une tontine qu'elles font le lundi où c'est la personne qui cotise 10 noms, 15 noms, 20 noms, 30 noms. Donc les filles là font tout ça pour aller dans les tontines où elles vont aller cotiser les bas 20 noms, 30 noms pour montrer que c'est elles qui... Tout ça pour aller dans les bars. Jeter les billets de 50-50 euros pendant que les DJ vont chanter. Donc regardez les raisons. Regardez la raison pour laquelle une fille va mourir et laisser ses enfants. Donc je vais mourir et laisser Maël et Gianni parce que je vais partir dans la soirée pour qu'un DJ chante mon nom. Parce que je vais mettre une robe de soirée pour aller dans une soirée pour qu'un DJ chante mon nom. Je vais mourir
et laisser mes enfants. Can you imagine? Est-ce que vous imaginez? C'est, et quand vous les voyez, quand vous voyez ces filles, toutes les vidéos de cette fille qu'on m'a envoyées, elle est en train de danser, en train de faire le boucan avec de l'argent. C'est-à-dire que d'autres se tuent même comme ça parce qu'elles veulent aller prendre soin de leur famille. Non, elles font ça parce qu'elles veulent aller cotiser les 10 noms de tontine du lundi et aller danser dans les soirées pour se faire voir. Elles vont venir sur les commentaires nous insulter. Moi qui baise le poulet à la maison, elles viendront m'insulter que j'ai raté mon bain. Ma, je n'ai pas raté mon bain. Le piment là, je peux le vendre mieux que vous-même. Mais quand je regarde, si j'étais seule, si je n'avais pas d'enfant, que ma vie n'était que moi, je vais même vendre le piment d'une autre manière. Je vais seulement collectionner les vieux watts. Je les collectionne par dizaines. Je vais avoir même 150 shows. Quand tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Tu peux avoir des shows que tu vois régulièrement. Autant de shows que tu veux. Mais la fait d'aller s'asseoir pour dire que, allô, c'est combien je, ça, non. Ça seulement, je ne peux pas. Mais je peux collectionner le nombre de gars. Je peux. 1500 euros, tu cotises par semaine. C'est-à-dire que tu as au moins 15 shows. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Donc tu peux être présent, tu peux aller à toutes les sorties. Tu peux aller à toutes les sorties. On t'invite au restaurant, tu peux pas, tu n'as pas d'enfant. Tu arrives au restaurant, tu lui poses un problème, tu prends des 500, tu quittes de là, tu vas voir l'autre. Ainsi de suite. Oui, si je n'avais pas les enfants, je peux avoir même 20 shows. Parce que même pour avoir les shows là, il faut avoir le temps. De sortir, aller aux invitations, aller au restaurant, aller ici. Cette fille-là, si on la croisait, est-ce qu'on pouvait savoir? Et je disais tantôt que ce sont elles qui viennent nous insulter. Elles viennent, tu es en train de faire ton commerce, elles t'insultent que tu vends le poulet brisé que tu as raté ton bain. Oui, Joël, mais même tu dis 150 choses, c'est aussi une forme de prostitution. Oui, mais au moins c'est des gens que tu. C'est les gens que tu vois tous les jours, les gens que tu côtoies, c'est les gens que tu connais. Oui, c'est les gens. Moi, je préfère moi, c'est moi l'autre là. Je te dis la vérité que si ce n'était pas les enfants, c'est que je peux avoir même 40 shows. Oui, c'est les gens avec qui tu sors, c'est les gens avec qui tu vas au restaurant, c'est les gens avec qui tu fais plein de trucs. Mais il faut seulement bien écrire le nom. Parce que tu risques de te perdre, même plus. Tu risques de ne pas confondre même les noms. Voyez, tout ça aussi, c'est un travail. Et il faut avoir la mémoire pour le faire. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Comment tu cotises 1500 euros par semaine? 1500 euros. Par semaine tu cotises, maman tu prends où? C'est pour ça que même quand quelqu'un te parle au téléphone, tu ne comprends pas, tu sais qu'il peut être dangereux, mais parce que tu as la pression de la tontine, tu es obligé de dire tchazoulé, et les criquets tchazoulé, et les crapauds tchazoulé, et les asticots tchazoulé. Nous on est manchois, parce que tu vas arriver à la tontine, on dit que Vicky cotise 15 500, elle a deux noms, parce qu'on va dire que oui, Vicky cotise 1500 euros tous les semaines et elle a deux noms, donc 3000. On dit que dans la tontine, les filles qui ont quatre noms. C'est aussi comme ça que tu vas entendre dire que oh, j'ai construit l'immeuble au Cameroun. Ma, allez construire vos immeubles au Cameroun. Non seulement je ne construis pas. Si je pars au Cameroun, je m'en vais louer. Moi, je vais laisser mes enfants, Maël et Dani ici. Les enfants qui sont nés ici. Tu ne leur donnes pas un bon logement. Tu ne leur loges pas bien. Dans ma maison ici, j'ai plus de salon. Parce que pour donner l'espace à l'enfant, je suis allé au salon avec ma chambre. Eux, je les ai laissé la chambre. Donc, je laisse ça. Je cours au Cameroun. Parce que je vais montrer que j'ai réussi mon bain. Je vous dirais que toutes ces filles-là, tout ce qu'elles font là, c'est pour parce qu'elles veulent partir au Cameroun construire les maisons. On bouffe les tontines. On fait les tontines de 1500 euros. On bouffe pour aller au Cameroun construire les maisons. Oui, oui. Les maisons du sang. Les maisons avec l'argent du sang. L'argent qu'on a gagné. L'argent qu'on a gagné n'importe comment. Hein? Tout ça parce qu'on veut dire que oui, moi je suis en France, j'ai construit. Moi, je n'ai pas construit. Et je ne construirai même jamais. Je ne vois pas pourquoi je vais aller construire une maison dans laquelle je n'habiterai jamais. Je ne vais jamais habiter. Je ne vais pas prendre mes économies ici. Je m'en vais construire une maison au Cameroun. Simplement parce que. Simplement parce que je vais aller. Hein? Allez, les titres vont chanter mon nom. Oh, elle prendre des risques. Pour rien. Arrêtez de risquer vos vies pour les choses qui n'en valent pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Tu as ton petit travail, tu te cherches un petit complément de salaire et puis fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Après, ils vont venir nous insulter sur Facebook. Que nous on braise le poulet parce qu'on a raté notre vie. Oui, oui. C'est comme ça qu'ils viennent nous insulter. Qu'on a raté la vie. C'est pour ça qu'on braise le poulet. Mais si c'est pour aller mourir, si c'est pour aller mourir d'une mort très honteuse comme ça, bon, ton là. On ne sait jamais. Mais les choses qu'on peut éviter là, évitons. Que de mourir une mort honteuse. Donc tes enfants, ta famille, on j'imagine qu'on appelle mes oncles qui sont ici en France, qu'on est venu me trouver nu, que le client m'a tué. Hé, tonné, voici ma main, les mains de l'enfant de sa mère. On ne choisit pas la mort, non, la qualité de mort, non. Mais l'autre mort de la honte là, je ne prends pas ça. L'autre qualité de mort où c'est le client qui va venir, pas, jamais, je refuse l'autre mort là. Je refuse la qualité de mort là. Je vais rester, c'est même si je vais briser le poulet, je vais vendre. Je vais rester ici, je vais briser mon poulet, je vais vendre. L'argent que je n'ai pas gagné quand j'étais célibataire là, je ne compte plus gagner cet argent là. Maël et Jani, je sacrifie mon temps maintenant pour m'occuper de leurs activités scolaires, extrascolaires. Peut-être l'argent, la célébrité que je n'ai pas eu là. L'un de mes enfants, oh, il aura cette célébrité et c'est mon nom qui sera connu. Voilà, j'ai dit que c'est mon nom, la célébrité que je n'ai pas eu là. Mon enfant va voir peut-être, machallah, toi aussi c'est la décision de Dieu. Et c'est mon nom qui sera connu. Mais dis que je vais me jeter dans un truc, exposer ma vie. Où je vais me retrouver en train de sortir. Et ce qui est là, c'est que j'ai dit, je trouve que la fille est très courageuse. Sa copine avec qui elle était courageuse, hein. Pendant que les pompiers sont venus sortir son corps, elle a eu le courage de crier, oh, Vicky est parti, oh, Vicky, au revoir. Vicky, parce que tu sortis chercher quoi dans la barre de Vicky.
Si c'est même moi, je n'aurais même pas le courage. Elle a eu le courage de pleurer jusqu'à faire la vidéo. Elle a vu qui est partie. Hein? La vidéo. Partie où? On dit que la fille vient de faire sortir. Elle vient de faire venir sa fille du Cameroun. L'enfant est venue étudier à. Où c'est à Toulouse ou c'est où? L'enfant maintenant va entendre. On dit que la mère, le client a tué la femme. Que vient pour m'amener une famille, sinon. Et même son petit, même de la famille, non? Après, quand elle vient te trouver, tu as en train de faire ton petit commerce comme je suis en train de faire sur Facebook. Elles vont dire, regardez, elles ont raté leur vie. Maman, je préfère. Oui. Laissez-moi rater ma vie. Laissez-moi briser mon poulet et rater ma vie. Oui. Laissez-moi rater ma vie. Hi! Hein? Regarde-les. Si tu entres dans un restaurant, hein, si j'ai dit que tu parles de prétention, j'accepte. Tu parles de prétention, tu n'as pas l'idée. Quand tu retrouves ces filles-là, quand tu les retrouves dans les restaurants, hein, ma, elles sont d'abord dépigmentées jusqu'aux dents. Quand tu les regardes d'abord, elles sont dépigmentées comme des sorcières. Quand tu regardes comment elles méprisent les gens. C'est elles qui viennent sur Facebook commenter que nous on vend le poulet parce qu'on a raté notre vie. Vraiment. Ma soeur, j'ai pitié seulement. Ça me fait de la peine. J'ai de la peine pour tes enfants. Je ne sais pas si tu en as, si tu as des petits. Ce que je sais, c'est que tu as une grande fille. Je ne sais pas si tu as les petits enfants comme pour moi, ce que tu as laissé. C'est très triste. C'est très très triste. C'est d'une tristesse absolue. Franchement. Elles vont venir nous insulter. Que nous on brise le poulet parce qu'on a raté notre vie. Non. Parce qu'on veut seulement, on dit que Dieu. Parce que nous on dit que non. Que Dieu nous garde longue vie. Que Dieu nous a. Ça veut dire qu'on essaie d'économiser notre vie. Parce qu'on se dit, on veut être là au moins pour pouvoir élever les enfants là. Jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de se démerder tout seuls. Ce n'est que ça même qu'on prie. Parce que même prier trop pour la richesse, même ce n'est pas même mon problème. Mon problème, c'est que comme Dieu m'a confié les enfants, si, qui me laisse, je les accompagne au moins jusqu'à chacun soit capable de. Comment je vais dire? Que chacun soit capable de pouvoir gérer sa vie tout seul. Donc, mes soeurs, vraiment, si tu étais encore dans ça, ma chérie, je vous jure que depuis que Annette est morte, je pouvais jurer que aucune fille ne peut encore mettre sa vie en danger pour faire ça. C'est-à-dire que je pouvais jurer qu'aucune fille ne peut mettre encore sa vie en danger pour faire ça. Qui n'a pas suivi la vie d'Annette? Qui n'a pas suivi le décès d'Annette? Celle-ci, on l'a même trouvée dans la maison. Annette, le client, avait jeté qu'au quatrième étage. Quatrième étage. C'est une triste fin. C'est vraiment une très triste fin. Vraiment. Mais soeur, que chacun prie Dieu. Hein. Parce que finir comme ça, c'est la pire chose qui peut arriver à un être humain.